What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo va être rapide. Encore une fois, vous avez vu la miniature. Si vous n'avez pas envie de me voir à moitié à poil, arrêtez de regarder la vidéo tout de suite. Mais avant de partir, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu parce que ça aide énormément la chaîne. Pour ceux qui veulent du coup continuer à me voir à poil. Ça sonne bizarre comme ça. Mais ouais. Du coup, ouais. 2 semaines, on est à 4 semaines sous sucre. Et c'était histoire de faire un bilan pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, pourquoi ça se passe. Je n'ai pas d'effet secondaire, encore une fois, je ne ressens pas d'effet secondaire, je ne vois rien, je ne ressens rien. Pour le moment, ça va. Je n'ai pas forcément l'impression d'avoir pris plus de muscles. Je me suis pesé d'ailleurs et j'ai perdu 500 grammes. Je suis à 97 kilos alors que là, il y a 2 semaines, j'étais à 97,5. Je pense que c'est surtout parce que je ne me suis pas entraîné pendant 1 semaine. Parce que entre... le séjour que, enfin, entre Laura et Elise qui étaient là la semaine dernière, du coup j'ai fait le guide de Paris, je me connais pratiquement pas. Et ensuite je suis allé en Allemagne et là je me sens pas vraiment bien, je suis un peu malade. Bref, il y a beaucoup de choses qui ont fait que je ne suis pas entraîné et qui expliquent peut-être pourquoi je n'ai pas eu les résultats. Ou en tout cas je n'ai pas pris plus de muscles ou bref. Du coup ouais, au niveau des effets secondaires j'en ai... Ah si, le seul truc que j'ai remarqué par contre, c'est au niveau de l'humeur. Parfois, je suis quelqu'un de très calme, je ne me mets pas en colère, mais je sens que... Des fois, j'ai... Les gens m'énervent facilement. Je ne le montre pas, je ne le dis pas. Mais au fond de moi, je les insulte, mais comme jamais. Et ça n'arrivait pas avant. Du coup, ouais, c'est vraiment au niveau de l'humeur que j'ai envie de dire qu'il y a un changement. Je suis beaucoup plus... sur les nerfs. C'est le terme, sur les nerfs. Sinon, c'est le seul truc que je vois au niveau des effets secondaires. La dernière fois, j'avais dit qu'il y avait l'insomnie, mais l'insomnie, ça n'avait absolument rien à voir. C'est parce que je prenais des vitamines. Sauf qu'au lieu de prendre les vitamines le matin, je les prenais au niveau de 14h, 15h. Ce qui faisait qu'en fait, ça m'excitait et ça m'empêchait de dormir la nuit, en fait. Du coup, l'insomnie, ça n'avait rien à voir avec le fait de prendre du sucre. Et pour le moment, tout se passe bien. J'ai rien à dire. Ça va. Non, rien. Ce n'est pas une raison pour que vous commenciez à prendre du sucre, non. Peut-être c'est mon corps, je ne sais pas pourquoi, mais pour le moment, tout va bien. Un truc aussi important, c'est le 17, enfin, ce sera en décembre très probablement que je ferai ma première compétition et probablement ma dernière si je gagne. Et ouais, on se rapproche bien. On se rapproche bien, c'est avant décembre, on est en août, septembre, octobre, novembre, décembre, c'est dans 4 mois, 4 mois et demi, 5 mois, qu'on aura du coup la compétition de bodybuilding. Et je crois que coach a dit ce sera à Metz. Bref, je demanderai plus de détails plus tard. Mais bon, pour le moment, 4 semaines sous sucre, ça va, rien de spécial, pas d'effet secondaire. Et à part au niveau de l'humeur, la libido aussi. Je sais pas, j'ai l'impression que ça modifie ma libido. Genre, quelques jours après avoir pris du sucre, la libido est au top, tu vois. Après, quand je... Voilà, ça redescend. Et pendant... Je sais pas comment expliquer. Disons que les jours qui suivent la prise de sucre augmentent énormément ma libido. Genre au top. Et je sais pas si c'est lié à ça, parce que... Bref. Je vais arrêter de raconter les conneries. Dans tous les cas, c'était juste une petite vidéo bilan pour dire exactement l'effet qu'a eu le sucre sur moi. 97 kilos. On a pris 2 kilos du coup en 4 semaines. Enfin, on a perdu 500 grammes par rapport à il y a 2 semaines. Mais ouais, pour le moment, ça va. Pas trop de points négatifs. On va s'arrêter là. Si vous avez envie de voir l'évolution jusqu'à ma compétition à Metz, je dis Metz, mais je ne sais plus exactement c'est où, ma compétition en décembre, abonnez-vous, activez la notification. Si vous avez apprécié la vidéo, lâchez un pouce bleu. Déjà, il y a un truc qui me dérange. J'étais en train de regarder les stats de mes vidéos et vous voyez les j'aime. Il y a un pouce rouge. Pouce rouge. Beaucoup de pouces rouges. Bref, j'ai l'impression que quand je sors mes vidéos, il y a des gens qui s'amusent. Oh putain. Il y a des gens qui s'amusent à mettre des pouces rouges. Encore, si la vidéo ne leur plaît pas. Je peux comprendre. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment systématique qu'ils mettent le pouce rouge. Non, je rigole. Si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce rouge. Mais si vous avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça, c'est mieux. Et on va se retrouver du coup demain pour une nouvelle vidéo. Il y a une serviette qui est accrochée là-bas. La voyez? Peace.